l'occasion de la finale de l'US Open Cup, trois légendes mondiales du football se sont réunies pour une photo souvenir dans les vestiaires, Zinedine Zidane, Lionel Messi et David Beckham. Une photo qui restera gravée dans la légende. Un moment d'anthologie pour la planète football. Mercredi 28 septembre, trois légendes se sont réunies à Miami, l'anglais David Beckham et les champions du monde argentin et français Lionel Messi et Zinedine Zidane. La trinité du ballon rond était réunie à Milan pour la finale de l'US Open Cup. L'Inter Miami, dont David Beckham est le président et copropriétaire, affrontait le Houston Dynamo et pour l'occasion, l'ancien joueur du PSG avait invité son ami et ancien coéquipier du Real Madrid, Zinedine Zidane. Dans les vestiaires, ils ont retrouvé Lionel Messi, qui n'a pas disputé la rencontre pour cause de blessure. Une réunion de stars qui n'a pas porté chance à l'Inter Miami, défaite 2-1. Depuis que David Beckham a repris la main de l'Inter Miami, le club floridien a attiré de nombreuses stars dans ses effectifs et ses gradins. Pour la première de Lionel Messi, LeBron James, Serena Williams et Kim Kardashian étaient notamment présents sur le bord de la pelouse. Surtout, les Beckham se retrouvent régulièrement au stade pour des soirées en famille. Harper Beckham a d'ailleurs joué les « escort kit » pour Lionel Messi devant Victoria Beckham et son frère Cruz, le 13 juillet dernier. Une présence qui ne fait que grimper la cote de popularité du club star de la côte. À lire aussi David Beckham ému aux larmes au premier match de Messi pour l'Inter Miami. Mais cette réunion Beckham-Messi-Zidane était au sommet des espérances des fans de ballon rond, qui ont réagi par milliers à la photo publiée sur les réseaux sociaux. Des réactions qui se résument à un commentaire, celui de la marque Adidas, iconique. Après la défaite de son club, David Beckham pourrait avoir pris un avion en direction de la France, et plus précisément de Paris, où sa femme, Victoria Beckham, présentera sa nouvelle collection à l'occasion de la Fashion Week. Un défilé très attendu chaque année par toutes les fashionistas.